Cérémonie du souvenir en Indonésie. Il y a 10 ans, le pays faisait face à la pire catastrophe de son histoire. 170 000 personnes étaient emportées par un tsunami, en majorité ici, dans la province d'Aceh. Seule la grande mosquée a résisté au déferlement de la vague qui atteignait par endroits une trentaine de mètres. Aujourd'hui, des milliers de personnes s'y sont retrouvées pour prier et rendre hommage aux disparus. Une douzaine de pays ont été touchés par le tsunami qui a fait au total 226 000 victimes. Plusieurs milliers de personnes sont décédées en Thaïlande, notamment 2000 touristes étrangers. Le tsunami avait été provoqué par un séisme d'une magnitude de 9 sur l'échelle ouverte de Richter, tremblement de terre dont l'épicentre se trouvait au large de l'île indonésienne de Sumatra. La catastrophe avait suscité un élan de générosité sans précédent à travers le monde. 11 milliards d'euros avaient ainsi été levés pour venir en aide aux survivants.